Et bonsoir à tous. Alors, je vais vous montrer la prochaine voiture. Toujours une voiture de mon mécano. On dirait vraiment un clown avec ses cheveux. Faut vraiment que je fasse quelque chose. Bon, alors, petit s'écrosseur. Donc, il a fait refait des éléments de carrosserie. Donc là, on est en train de le laver. Donc, je vous montre rapidement. Je profite d'être dehors avant de la rentrer. J'ai un petit peu de temps pour le faire, donc ça me permet de pouvoir vous montrer le véhicule vraiment avec du recul. Franchement, il est super beau. Et on va faire une couleur que vous avez encore jamais vue sur la chaîne. On va faire un kaki militaire avec les éléments en noir. Donc ça va bien ressortir. Bon, il y a des problèmes au niveau de la carrosserie ici. Je vais y repenser un coup. Je vais d'abord bien la laver parce que regardez l'état. Donc ça, je vais le poncer pour dire que ça se voit plus. Et puis on va partir sur un kaki militaire. Ça a changé. Enfin, vous voyez une couleur qui change un peu du noir mat et du gris. Et on va passer aussi ces petites jantes en noir brillant. Et aussi les barres de toit, il me les a démontées. On va les passer en noir brillant aussi. Non, noir mat, il m'a dit qu'il les voulait, je crois. Du coup, voilà. Donc je vous montre, c'est parce que là, je suis obligé de me dépêcher parce que non, il y a une autre voiture qui arrive dimanche. Je vous en dis pas plus, mais ça va être une voiture de dingue. Hop, merci! Voilà, à deux, 8 minutes 30 les deux voitures, jantes comprises. À deux, hein, donc un qui lave, l'autre qui rince tout de suite derrière. 8 minutes 30, deux voitures, carrosserie plus jantes, à deux. Bon, de base, j'étais bien coiffé ce matin, croyez-moi sur parole. Alors, comme vous avez vu, aujourd'hui, je suis en t-shirt. Il fait beau! Donc on allume le chauffage quand même parce qu'il faut un minimum de 16 degrés et puis si vous avez un petit peu plus, c'est mieux pour la peinture, ça va plus vite. Donc là, on a tout calfeutré. On a mis franchement au moins 5 ou 6 heures juste pour calfeutrer. Donc là, je vous montre, mais ce 4x4 a un nombre de détails en sachant que je sais que mon père a le même et que je vais devoir le faire dans pas longtemps. Bah, je suis pas pressé de le faire hein, parce que celui-ci, il faut absolument... Tout calfeutré, vraiment, c'est il y a un détail de enfin, un nombre d'éléments et un nombre de détails impressionnants sur cette voiture. Du coup, voilà. Donc là, Déborah, elle s'est bien fait chier à tout faire là. Mais bon, il n'y a pas, faut le faire. Les feux, comme ils sont grands et qui sont légèrement usés ici, ben, on est obligé de calfeutrer les feux. À l'arrière, ils sont nickel, donc pas besoin. Mais sinon voilà, donc là on a commencé à démonter les jantes. Donc là je les ai tout nettoyées nickel, il reste plus qu'à les dégraisser, je suis en train de faire de la place. Et aussi les deux barres de toit, parce que oui mon mécano il me lance des défis jusqu'au bout. Je me dis mais où est-ce que je vais les mettre? Et en fait j'ai mis dans le trou là, il y a une vis. J'ai mis comme ça et je m'amusais à les peindre comme ça, faut juste que je repeigne le gris. Et après les éléments là, juste ça. Donc tout ça en noir mat, et ça ce sera en kaki pour... ressortir les coques de rétro. Bon allez,
Je vous montre rapidement comme ça parce que j'ai pas assez de recul pour vous la mettre complètement. Ah, quoique. Du coup, voilà. Donc, c'est parti pour des couches de noir pour dire. Parce que comme il est blanc, on passe pas un kaki directement dessus. Ça peut changer la couleur. Donc, on va passer en noir mat et ensuite on passera au kaki. A tout de suite. Bon, désolé pour le bruit, il fait un vent de malade, mes cheveux en témoignent, mon dieu, c'est une catastrophe. Bon, c'était juste pour vous montrer rapidement le sécrosseur, là, on vient de passer une dernière passe pour voir tous les derniers défauts. S'il y en a, bon, il y en a eu 2-3 avec des endroits où la peinture n'adhérait pas, donc on a passé le décapeur et tout. Normalement, plus de soucis, on a fait le tour, donc là, tout est noir. Donc on va encore mettre 2 couches pour dire de mettre une... pour terminer la couche de résistance, vous savez, pour et après on attaquera le kaki. Les jantes pareil, donc là les deux elles vont être terminées, je crois que ça va être la dernière couche, après on va attaquer le brillant, et après on pourra les démonter de l'autre côté et remonter ceux-là, et puis en même temps on attaquera le kaki. Allez, à tout à l'heure. Bon, vous allez rarement nous voir préparés dans cette tenue, maquillée, bien coiffée, tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, nous prenons une journée. Ça fait... En 8 mois, on s'est pris 3 jours peut-être. Mais bon, tout ça pour... Bon, déjà, on va vous remercier parce qu'on a atteint les 500 abonnés. Donc, ça fait bien plaisir. N'oubliez pas, concours du FD 650, je mets tout dans la description. On like la vidéo sur YouTube et sur Instagram. Mais bon, vous, ce qui vous intéresse, c'est de voir la voiture. On est d'accord. Par contre, on est choqué de voir que les vidéos longues de plus de 25 minutes marchent beaucoup mieux que des vidéos courtes. Alors, nous, honnêtement, quand on les regarde, on trouve ça long. On va peut-être se mettre... On va se mettre à long. Ça va peut-être être mieux. Voilà. Attends, si on se met comme ça, voilà, c'est mieux. Mon cambou est de retour. Bon, on a changé les injecteurs. Le moteur, il est dans le sac. Hein, donc, je me suis bien fait niquer sur celui-là. Mais bon, on va le terminer. Il roule bien, mais le moteur, il y a un gros claquement. Du coup, voilà. Bon, on vous remercie encore pour le concours des 3 FD650. Allez liker sur Instagram, ce sera plus simple je pense pour faire le concours. Mais bon, d'ici là, prenez soin de vous. On vous dit à la prochaine pour un autre projet.